Salut, salut, j'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan pour vous présenter une nouvelle application. Aujourd'hui encore, nous allons découvrir une application super utile qui va vous aider énormément. Donc si toi aussi tu t'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je fais un nouveau tuto. Si tu n'es pas encore dans la communauté, le lien de la communauté est toujours dans la description. C'est dans la communauté que j'envoie les applications pour vous permettre de les avoir super facilement. Désolé pour la voix, je suis super grippé, raison pour laquelle je n'ai pas fait de vidéo hier, mais aujourd'hui je me suis forcé quand même à faire une vidéo pour vous. Donc restez branchés jusqu'à la fin de la vidéo. Si je suis inspiré, je pourrais faire plusieurs vidéos pour vous qui vont vous allez pouvoir voir plusieurs applications aujourd'hui. Donc restez branchés et surveillez toujours la communauté pour voir s'il y a de nouvelles applications qui sont prêtes. Voilà. Donc aujourd'hui, l'application que nous allons découvrir aujourd'hui, c'est une application qui va énormément aider pour ces personnes-là qui font les paris en ligne. Est-ce que vous savez qu'il est possible de faire des prédilections de matchs grâce à l'intelligence artificielle? Pour ceux qui ne savent pas, l'intelligence artificielle est venue vraiment révolutionner le monde, jusqu'à même plusieurs personnes même ont peur de l'intelligence artificielle. Et oui, il y a une application d'intelligence artificielle qui va vous permettre de pouvoir faire les prédilections de score des matchs. C'est-à-dire, s'il y a des matchs, ils vont vous donner des résultats en fonction de la prédilection de l'intelligence artificielle et vous allez pouvoir jouer. L'application en elle-même se nomme Football AI. Je vais l'envoyer dans la communauté le lendemain. Voilà, je vais l'envoyer ça le lendemain pour vous permettre de pouvoir regarder la vidéo et l'apprendre. Parce que lorsque je balance la vidéo en même temps, l'application, il y a des gens qui ne télécharge pas l'application et qui ne télécharge pas la vidéo, qui n'ont pas la vidéo, ils ne savent même pas de quelle application il s'agit et viennent me demander comment on l'utilise. Raison pour laquelle je fais la vidéo et le lendemain je balance. Voilà. Donc déjà, lorsque vous allez rentrer dans l'application pour la première fois, ici vous allez voir les différents matchs. Voilà, les différents matchs qui vont se jouer aujourd'hui. Vous voyez, today, le 1er avril, c'est ce match-là qui vont se jouer aujourd'hui. Et lorsque si vous rentrez que vous ne voyez pas la prédilection, venez ressortir et vous allez effacer les données. Parce que souvent l'application bug, vous allez venir effacer les données, ok. Et vous allez revenir dans l'application. Voilà, revenir dans l'application, note. Et ici, comme vous pouvez le voir ici, vous voyez, il y a ces matchs-là qui doivent se jouer demain et l'intelligence artificielle vous a donné les prédilections. Ici, on nous dit que Manchester va gagner, vous voyez, un win. Ici, on nous dit Chelsea va gagner. Ici, Bournemouth va gagner. Ici, Arsenal va gagner. Ici, Crystal Palace va gagner. Wolverhampton va gagner. Vous voyez ici, ça fait des prédilections de tous les matchs qui doivent se jouer. Qui doivent se jouer demain. Voilà, qui doivent se jouer demain. Et on vous dit, normalement, en fonction de l'intelligence artificielle, qui sont ces équipes-là qui vont remporter le match. Ici, on nous dit que Inter va remporter le match. Vous appuyez dessus. Vous allez voir un peu. Ici, on a le Football AI Prédic 1. Voilà, on a dit que Inter va remporter le match. Donc ici, vous avez tous les matchs. Hein, vous avez tous les matchs. Et lorsque vous venez dans Finished ici, vous pouvez voir un peu les différents résultats que l'intelligence artificielle a eu à donner qui sont exacts mais qui sont faux. Quand vous venez dans Finished ici, vous allez voir ici l'intelligence artificielle a eu raison, l'intelligence artificielle a eu raison. Tout ce que vous voyez en vert ici, c'est les matchs que l'intelligence artificielle a donné de bons résultats, mais en rouge, c'est des résultats qui ne sont pas été bons. Quand vous voyez, il y a assez de vert que de rouge. On voit que le rouge ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, et tout le reste c'est des verts. Donc vous pouvez utiliser cette application là pour plus perfectionner vos paris. Voilà, vous pouvez plus perfectionner vos paris afin d'avoir des avis déjà sur des équipes. Si vous ne savez pas selon vous quelle équipe va gagner, vous pouvez vous baser sur les résultats d'intelligence artificielle afin de pouvoir faire vos paris aussi. Comme je l'ai dit, l'intelligence artificielle c'est vraiment une révolution et l'application en elle-même se nomme Football AI. Football AI, je vais l'envoyer comme je l'ai dit le lendemain dans le groupe pour permettre à ceux qui font les paris sportifs d'avoir cette application là auprès de vous. Comme je le dit, on ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais. Donc, veuillez avoir cette application-là auprès de vous. Je vais l'envoyer dans la communauté le lendemain pour vous permettre de mieux suivre la vidéo, pour voir en fait de quelle application il s'agit
et tout. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'oubliez surtout pas de partager la vidéo à vos amis et aussi de vous abonner. Abonnez-vous, intégrez la communauté pour recevoir les applications parce que c'est pas évident pour tout le monde de chercher une application et de la trouver. Portez-vous bien.